Bonjour tout le monde. Bonjour. Et bon sabbat. Bon sabbat. Aujourd'hui, ça s'intitule Notre souverain sacrificateur. C'est le dernier point, le dixième point des grandes différences entre ce que nous proclamons et l'Église traditionnelle adventiste qui proclame. Tous les sujets qui sont différents pointent toujours à la même chose. C'est la préparation d'un peuple pour le retour de Jésus. Et nous croyons que Dieu, c'est sa volonté de faire de nous des personnes qui ne pêchent plus, qui ont la victoire sur le péché. Et avec cela, Jésus va pouvoir revenir. Amen. Amen. La dernière fois que je suis venu, nous avons appris que la foi de Jésus que nous devons exercer est bien la foi que Jésus a démontrée lorsqu'il vécut sur cette terre. Et qu'il y a un lien très étroit entre cette foi de Jésus et l'amour agapé du Père. Et que ces deux dons viennent du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le message de 1888 est particulièrement précieux car il réunit la véritable idée biblique de la justification par la foi avec l'idée unique de la purification du sanctuaire céleste qui a débuté en 1844. Ce qui nous fait différencier de la majorité, sinon tous, les églises chrétiennes. C'est notre spécificité à nous, adventistes, qui croyons qu'il y a un lien entre la justification par la foi et la purification du sanctuaire céleste. Luther n'a jamais fait de lien entre la justification et le sanctuaire. C'est une idée biblique que le monde soupire à découvrir. On voit ça dans Romains 2, 8, verset 22. Il est écrit, « Car nous savons que jusqu'à présent, toute la création, ça nous inclut aussi les êtres humains, pas seulement que les animaux ou les arbres, toute la création soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Il constitue l'élément essentiel de la vérité qui éclairera encore davantage la terre avec la gloire d'une présentation finale et pleinement développée de l'Évangile éternel, d'Apocalypse 14, et de 18 aussi. Les messages des trois anges et du message du quatrième ange. Lisons un texte d'A.T. Jones. General Conference Bolton, 1893, sermon numéro 17. C'était ses sermons en 1893. Il en a fait en 93, en 95 puis en 97. Il y a trois volumes. Si ça vous intéresse. Il a écrit, « Nous sommes toujours des instruments intelligents. Non pas comme une pioche ou une pelle que Dieu peut utiliser. » Nous serons utilisés par le Seigneur toute notre vie selon notre propre choix. Donc, nous avons une grande part de responsabilité dans notre choix, devant la vérité qui nous est annoncée et de quel côté nous voulons nous tenir. Ici, Dieu nous appelle à réfléchir envers une vérité céleste afin de prendre le bon choix. Lisons Evangelism, page 221. Le sujet du sanctuaire et du jugement investigatif, Evangelism, c'était écrit par Ellen White, doivent être clairement compris par le peuple de Dieu. Donc, nous avons une responsabilité à comprendre ce message. En tout cas, le sujet du sanctuaire.
Tous ont besoin de connaître par eux-mêmes la position et l'œuvre de leur grand souverain sacrificateur. Nous sommes appelés à savoir qu'est-ce qui fait Jésus dans le ciel. Ce n'est plus le petit Jésus qu'on nous a appris quand on était enfant, là. À la crèche. C'est un adulte. Il a une œuvre et il travaille en ce moment. 24 heures sur 24, 7 jours, 7 jours sur 7, intermédiaire entre Dieu et les hommes pour préparer un peuple pour qu'il finalement puisse avoir un terme au péché et puisse revenir nous chercher sur cette terre. Autrement, il leur sera, qu'est-ce qu'il est écrit? Autrement, il leur sera impossible d'exercer la foi. Eh bien, on a besoin de comprendre qu'est-ce que Jésus fait dans le ciel, sinon, ça devient impossible pour nous d'exercer une foi qui est essentielle en ce moment ou d'occuper la position que Dieu nous confie. Donc, c'est sérieux. La compréhension, on continue, la compréhension correcte du ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste est quoi? Le fondement de notre foi. C'est spécifique aux Adventistes du septième jour. Et nous avons un mandat en tant qu'Adventistes du septième jour de faire connaître au monde quel est le ministère de Jésus en ce moment dans le sanctuaire céleste. Est-ce une réalité qui a un lien étroit entre la justification par la foi et le jour des expiations? Que c'est quoi? Comment qu'ils appellent le jour des expiations, les Juifs? Le Yom Kippour. Le jour du grand pardon, qu'ils disent. Pardon de quoi? Pour un Juif, le Yom Kippour est le jour de la repentance. Considéré comme étant le jour le plus saint et le plus solennel de l'année juive. C'est comme nous, les catholiques, quand on était jeunes. Moi, je faisais partie de... On avait une chorale. Et on faisait toute une chose, une réunion, pour la messe de minuit à Noël. Là, on savait qu'il allait... Là, presque... L'église serait remplie. Parce que le monde disait, ben, ce jour-là, cette messe-là, on devrait y aller au moins une fois par année à l'église. Hein? Mais pour un juif, c'est pas Noël. C'est le Yom Kippour. Il y a lieu, selon les années, en septembre ou en octobre. Et cette année, les Juifs ont célébré du coucher du soleil au coucher du soleil de la journée suivante. C'était quand? Le 8 et le 9 octobre. Ça fait pas longtemps. On est le 19. Ça fait 10 jours. C'était le Yom Kippour des Juifs. Et je connais, quand j'ai pris l'avion pour aller à Toronto, il y avait un Juif à côté de moi. Puis je m'en vais à Toronto et demeurais à Montréal pour la réunion des Yom Kippour. C'est une réunion tellement importante pour eux qu'ils sont prêts à faire un voyage pour rencontrer la famille et se réunir. Un peu comme nous, quand on, Noël, c'était l'occasion de se rencontrer en famille. En Israël, les programmes de télé sont suspendus. Pas de télévision. Il n'y a ni transport public, pas d'autobus, pas de taxi. Ni transport aérien, pas d'avion non plus. Et les commerces, ben c'est sûr, aucun commerce ouvert. Et ça tombait quoi, un mardi ou un mercredi, c'est en plein milieu de la semaine, c'est pas un sabbat, là. Lisons « Thought from the Mount of Blessing » d'Ellen White, page 114. Le pardon a un sens beaucoup plus large que beaucoup ne le supposent. Le pardon de Dieu n'est pas simplement un acte judiciaire par lequel il nous libère de toute condamnation des péchés passés. C'est pas seulement que ça. C'est ça, mais c'est plus. Ce n'est pas seulement le pardon des péchés passés, mais la fin
du péché. Là, c'est sérieux. C'est le flux d'amour rédempteur qui transforme le cœur. Voilà comment on arrive à arrêter de pécher. C'est par l'amour de Dieu. C'est ça le moyen qui nous donne la victoire sur le péché. Le sanctuaire hébreu de l'Ancien Testament et ses services étaient un type. Un type, ça veut dire un modèle. Un type ou un modèle du ministère du plan du salut dans le sanctuaire céleste. On lit Lévitique 16, verset 29. Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au septième mois du dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre, comme un sabbat. Ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Le Yom Kippour. Pour le peuple de Dieu, repentant, ce jour-là signifiait une préparation spéciale, un jugement d'acquittement, une justification et une purification du cœur. Le mot purification, ça veut dire quoi? Rendre pur. Et quand on rend pur quelqu'un, ben, on parle, il n'y a plus de péché, là. Et il pardonne, puis il dit comme Marie-Madeleine, va et ne pêche plus. C'était la signification du Yom Kippour. C'était de rendre le peuple pur. Lévitique 16, 30 et 31, ce que nous avons lu tantôt, « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Comme il a dit Ellen White, pas seulement des péchés passés, mais pour le futur, c'est la pureté. « Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une ordonnance perpétuelle. » Le jour du jugement dernier, des derniers jours, fut illustré par le jour annuel des expiations des Hébreux. Et quand est-ce qu'est ce jour de jugement pour nous? Adventiste du septième jour? Depuis 1844. Et ça veut dire, non, ça fait 175 ans, j'ai appris ça tantôt, que le Yom Kippour existe pour nous. La journée est longue. La journée est longue, hein, pour Dieu. Et le sacrificateur qu'on aura oint et qu'on aura installé pour exercer la sacrificature à la place de son père, se fera l'expiation. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Les prêtres ont aussi servi comme exemple. Ils faisaient partie du type de Jésus, ou une ombre des choses célestes. Hébreux 8, verset 5. Et qui rendent, on parle des prêtres, un culte, image des et ombre des choses célestes, ce que les prêtres faisaient dans le sanctuaire terrestre, selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse, lorsqu'il devait dresser le tabernacle. « Prends garde, lui dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. « Attention, fais tout selon le modèle que je te montre. » Et c'est un modèle, et non la réalité qui fut montrée à Moïse. C'est à partir de ce modèle qu'il a exécuté la volonté de Dieu et il a établi un sanctuaire terrestre. Christ est le véritable souverain sacrificateur du plan du salut, et ça depuis toute éternité. C'était prémédité, si on peut dire, que Jésus serait notre souverain sacrificateur.
Hébreux 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, il parle à nous, hein? Frères saints, qui avez pris part à la vocation céleste, on prend part à la vocation céleste, devenir participant de la nature divine, c'est pas rien qu'un peu, hein? Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi. C'est qui ça? Considérez Jésus, que nous professons. Deux petits points, les autres ont mis une virgule. Jésus-Christ, c'est lui, notre souverain sacrificateur au ciel en ce moment. Hébreux 4, 14 à 16. Puisse donc que nous avons un grand souverain sacrificateur, on sait que c'est Jésus, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, retenons ferme notre profession. Car nous savons, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses, comme nous, mais sans péché. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Quand avons-nous besoin d'être secourus? Lorsque nous sommes tentés de pécher, de faire à notre goût, de faire à notre désir, de faire le tour de la volonté de Dieu, faire un détour. En fait, c'est l'ego. Hébreux 5, verset 10. Dieu, l'ayant déclaré souverain sacrificateur, on parle encore de qui? De Jésus, selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 7, 24 à 26. Mais lui, parce qu'il subsiste pour l'éternité, il possède, ça c'est Jésus encore, il possède un sacerdoce qui ne passe point. Ouais, ça fait 175 ans. Ça fait un bout. C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est lui notre intermédiaire. Étant toujours vivant, Jésus, pour intercéder en leur faveur. Et voilà son travail en ce moment. Il intercède pour nous. Or, il nous fallait un tel souverain sacrificateur, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. Et on parle toujours de Jésus. Et on voit que c'est quoi son œuvre? C'est de intercession. C'est lui notre intercesseur, notre intermédiaire, on peut dire, hein, entre Dieu et nous. Christ est dans le sanctuaire céleste, intercédant en notre faveur. La prophétie de Daniel indiquait le début du jour des expiations. On a étudié ça tantôt. Antitypique ou cosmique. Antitypique, c'est le contraire de type. Ça veut dire que c'est le vrai. Là, on parle du vrai. Là. Le jour des expiations, le vrai jour des expiations. Et c'est quand est-ce que ce jour-là a commencé? Toujours à la fin des 2300 ans, en 1844. Donc, nous vivons ce jour du Yom Kippour, nous, adventistes. Daniel 8, 14. Hein? Comme ça, on va marcher mieux. Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Le sanctuaire qu'on parle ici, vous allez dire, ouais, ben, c'est le sanctuaire au ciel, ça n'a pas rapport avec moi, ça. C'est ce qui va être au ciel qui va être purifié. On va voir tantôt que quand on parle du sanctuaire, ça nous implique à nous aussi. Parce que quand le sanctuaire terrestre était purifié, c'était pas des planches qui purifiaient seulement. C'était pas juste l'autel qui purifiait seulement. C'était le peuple qui était impliqué dans la purification du sanctuaire. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, c'est la même chose par rapport au ciel. La purification du sanctuaire céleste implique la purification du peuple de Dieu.
Nous vivons aujourd'hui dans la plus grande époque de l'histoire du monde, lorsque le plan du salut doit être conclu par une victoire pour Christ. Et il va l'accomplir. Et il va revenir. Et il y aura un 144 000. Et on va avoir un peuple qui va avoir la victoire sur le péché. Gloire à Dieu. Hébreux 9, 11 à 15. Mais Christ, étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, ayant passé par un tabernacle bien plus grand et plus parfait, qui n'a point été fait de main d'homme, donc on parle de quel tabernacle? On parle de celui qui est au ciel. Hein? C'est-à-dire qui n'est point de cette création, est entré une fois dans le Saint des Saints. Ça, c'est le lieu très saint. Hein? Il y a deux appartements dans le sanctuaire céleste. Dans le lieu saint et le lieu très saint. Jésus était dans le lieu saint jusqu'en 1844, à partir de son ascension jusqu'en 1844. À partir de 1844, mais maintenant, il est dans le Saint des Saints. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Pour qui? Pour toute l'humanité. On continue, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre de la génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie quant à la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu lui-même sans tache. Quand il s'est offert à Dieu lui-même sans tache, on parle de quoi? Quand ça? À la croix, hein? Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? L'agapé de Dieu qui s'est manifesté à la croix va travailler dans nos cœurs pour nous purifier notre conscience des œuvres mortes, des œuvres qui ne servent à rien. Afin que vous serviez le Dieu vivant. On continue encore. C'est pourquoi il est médiateur, moi je dis d'une nouvelle alliance, mais en fait c'est la nouvelle alliance qui existe depuis Genèse 3.15. Elle existe depuis toujours, ce n'est pas une dispensation, là, la nouvelle alliance. Il n'y a pas une ancienne alliance dans l'Ancien Testament, puis une nouvelle alliance dans le Nouveau. Là. Il y a toujours une seule alliance pour Dieu. C'est cette alliance. Alors, il est le médiateur de la nouvelle alliance, afin que la mort intervenant pour l'expiation des péchés commis sous la première alliance, les péchés qui ont été commis selon les promesses du peuple de Dieu, oui, nous ferons tout ce que tu nous as dit, mais ce n'est pas une alliance, c'est une alliance des hommes, ce n'est pas celle de Dieu, celle-là. Ce sont des œuvres mortes de l'ancienne alliance qu'on parle ici. Là. Ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Et qui sont appelés? Nous tous. Hébreux 9, 26. Mais à présent, à la consommation des siècles, c'est quand ça? C'est pas mal dans le temps là, qu'on vit là. Il apparut une seule fois pour abolir le péché. Abolir le péché. Non, mais ça passe clair. En se sacrifiant lui-même. Alors, c'est pourquoi qu'il est mort? C'est pour abolir le péché. En se sacrifiant lui-même. C'est mettre un terme au péché. L'œuvre de Dieu. Et nous sommes des dépositaires de cet évangile éternel qu'on doit proclamer au monde. C'est notre œuvre à nous, adventistes. Et on l'a vu au début. On ne peut pas comprendre l'importance de cette œuvre si on ne comprend pas ce que Jésus fait au ciel et qu'il est là en train d'intercéder pour nous. La purification du cœur pour la seconde venue de Christ sera un ministère spécial de justification par la foi au jour des expiations. On parle de justification par la foi. C'est drôlement important. Comme Moïse, nous sommes appelés à exercer la foi de Jésus. Hébreux 11, 24 à 28.
par la foi de Jésus, dans le temps de Moïse. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Choisissant d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Estimant l'opprobre de Christ comme un trésor, alors estimant ce que Jésus fait en ce moment-là, c'est un trésor. Plus grand que les richesses de l'Égypte, plus grand que ce que tout le monde peut vous offrir. Parce qu'il avait en vue quoi? La rémunération. Par la foi, Moïse quitta l'Égypte sans crainte de la colère du roi, car il demeura ferme, comme voyant celui qui est invisible. Qui c'est ce celui-là? Encore Jésus. Par la foi, il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur des premiers-nés ne touchât point ceux des Israélites. Et tout ça par la foi. Apocalypse 14, 12. C'est ici la persévérance des saints. C'est ici ceux qui gardent ou observent les commandements de Dieu et ils exercent la foi de Jésus. A.T. Jones, voici ce qui a été écrit, « Consecrated Way », page 113 à 119. Il y a plusieurs paragraphes, j'ai pris ce texte-là parce que ça résume en quelques paragraphes tout ce que je veux vous dire aujourd'hui. Cette purification du sanctuaire, dans le service typique, ça c'est l'ancien, celui de la terre, là, consistait à enlever du sanctuaire toute impureté des enfants d'Israël à cause de leur transgression au commandement de Dieu, qui, par le ministère de la prêtrise du sanctuaire, souverain sacrificateur, avait été introduite dans le sanctuaire pendant le service de l'année. On continue. L'achèvement de cette œuvre dans le sanctuaire et pour le sanctuaire était de la même manière l'achèvement de l'œuvre pour le peuple. On parle du peuple d'Israël. La purification du sanctuaire s'étendait aussi au peuple et incluait le peuple comme pour le sanctuaire. Alors, quand on parle de purification du sanctuaire, ça implique le peuple. Et on continue. Et cette purification du sanctuaire était une figure du vrai, au ciel, qui est la purification du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé, et non un homme, pour toute l'impureté des croyants en Jésus, à cause de toute leur transgression des commandements de Dieu. Et le début de cette purification du vrai, céleste, est déclaré dans le livre de Daniel, comme commençant après les 2300 soirs et matins, ce qui veut dire en 1844. On continue. Ceci est accompli pendant la purification du vrai sanctuaire pour mettre un terme à la transgression et même au péché involontaire. Donc, ce n'est pas seulement pour les péchés passés, là. On parle mettre un terme. Fini. Over. À la transgression. Et même, pas seulement qu'à la transgression, puis à l'iniquité, même au péché que je ne savais même pas. Il va nous le faire savoir. Ces péchés que nous faisons, que nous n'étions pas conscients. Oui. C'est extraordinaire la perfection que Dieu veut que l'on atteigne. Et si on ne l'atteint pas, ben désolé, ça va retarder. On va être encore là, nos enfants vont être encore là, puis Jésus ne sera pas encore de retour. Mais nous sommes prêts, oui ou non? Qu'est-ce qui nous manque pour être prêts? La consommation du mariage est déjà faite, ça se produit aujourd'hui. Un peuple se prépare. On n'est pas tout seul, nous autres, au Québec, là.
Dans la terre entière, il y a un peuple qui se prépare pour la venue de Jésus et qui croit qu'on peut avoir la victoire sur le péché et que ça va être fini. On n'est pas les seuls à enseigner ceci. Mettre un terme à la transgression et même au péché involontaire pour le perfectionnement des croyants en Jésus. On parle de perfection, là. C'est pas du perfection charnelle, là. On parle de perfection divine que Dieu veut nous donner. D'une part et d'autre, part pour mettre un terme au péché par la destruction des méchants. Il n'y a pas seulement que nous là, qui est impliqué. Même c'est pour la destruction du péché lorsqu'ils vont ressusciter la deuxième résurrection pour les impies. Il y a la destruction, là aussi, c'est impliqué dans l'œuvre de la purification du sanctuaire. Ça implique tous ceux qui ont refusé le don de Dieu. Purification du sanctuaire de toute souillure du péché qui a été infiltrée. Et à la deuxième résurrection, ben c'est sûr, ça va être l'aboutissement final du péché. Le dernier péché qui va être commis, ça va être lequel? Ça va être Satan et toute sa gang qui vont attaquer Jérusalem pour tuer, pour ravager la nouvelle Jérusalem. Et après ça, ben, le feu va descendre du ciel et ça va être le dernier péché qui va être commis dans l'univers. Final. Et on continue. L'accomplissement du mystère de Dieu. C'est un mystère, ça. Comment Dieu va réussir à faire de moi un chrétien, je vous le dis. Pas évident, hein? Mais il a promis qu'il va faire de nous ce qu'il veut qu'on devienne. Accomplissement du mystère de Dieu et l'accomplissement de l'œuvre de l'Évangile. Voici l'œuvre de l'Évangile. Si on vous annonce un Évangile qui dit pas, qui dit le contraire de ça, ben ça, là, c'est un faux Évangile. Si un Évangile qui dit non, on ne peut pas arriver à arrêter de pécher, c'est impossible, c'est les perfectionnistes qui disent ça, là, c'est pas vrai, ça. C'est encore un faux Évangile. Et l'œuvre de l'Évangile est d'une part l'enlèvement de tout vestige de péché et l'introduction de la justice, ça c'est righteousness, ça veut dire right doing, ça veut dire qu'on va agir bien, on va faire les commandements de Dieu, on va les faire parce qu'on va avoir le goût de le faire. On va avoir un nouveau cœur. Le Christ pleinement formé en nous, au sein de chaque croyant, Dieu seul manifesté dans la chair de chaque croyant en Jésus. C'est ça le miracle de Dieu, le mystère de Dieu. Et on continue. D'autre part, l'accomplissement de l'œuvre de l'Évangile signifie la destruction, l'autre part, la deuxième partie, destruction de tous ceux qui n'auront pas alors reçu l'Évangile après la deuxième résurrection. Car ce n'est pas le dessein du Seigneur de laisser les hommes continuer à vivre éternellement dans une vie qui apportera plus de misère pour eux-mêmes. À quoi ça servirait à l'univers que le péché continue d'exister? Si ça va apporter plus de souffrance. On continue. Le service dans le sanctuaire terrestre montre également que pour que le sanctuaire soit purifié et que l'œuvre de l'Évangile soit accomplie, elle doit d'abord être accomplie où? Chez les personnes qui ont un rôle à jouer dans ce service. Et c'est nous. C'est-à-dire dans le sanctuaire lui-même, la transgression, le péché et l'iniquité, on parle de trois choses là, ne pouvait pas être terminé jusqu'à ce que tout cela soit accompli chez tous ceux qui participaient activement au service du sanctuaire. Et on continue encore. Jones, il veut vraiment qu'on comprenne. Le sanctuaire lui-même ne peut être purifié que lorsque chacun des fidèles a été purifié. Le sanctuaire lui-même ne pourrait pas être purifié aussi longtemps que par les aveux du peuple et les intercessions des prêtres, un flot de transgressions de péché et d'iniquité se répandrait encore dans le sanctuaire. Cette vapeur doit être arrêtée à la source, et c'est où? C'est dans le cœur des adorateurs.
avant que le sanctuaire lui-même au ciel puisse être purifié. C'est clair? Il me semble que c'est assez clair ce qu'il dit. Par conséquent, le but principal de la purification du sanctuaire est la purification du peuple. C'est pas du matériel que Dieu veut purifier là au ciel, c'est nous. Et c'est le même but du sanctuaire, du sacerdoce dans le véritable sanctuaire. Le sacrifice, la prêtrise et le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste enlèvent vraiment les péchés et ce pour toujours et rend parfait ceux qui exercent la foi de Jésus. Formidable. Parfait pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Forever, pour l'éternité. Et aussi un autre endroit D.T. Jones qui a écrit ça, sermon numéro 17, mais c'est un autre endroit. Si le Seigneur nous fait connaître les péchés auxquels nous n'avions jamais pensé auparavant, pourquoi il fait ça? Cela nous montre seulement qu'il descend dans les profondeurs et qu'il atteindra enfin le fond et qu'il trouvera la dernière chose impure qui ne soit pas en harmonie avec sa volonté. Et pendant qu'il nous le montre et que nous disons « Je préférerais que le Seigneur le fasse », alors le travail est terminé et le sceau de Dieu vivant peut être fixé sur ce caractère. Amen. Pourtant, le choix est facile. Qu'est-ce que vous choisissez? Ne laissez pas. Ah oui? Satan dit que c'est impossible. Dieu dit oui. À nous choisir. Pas compliqué. Abandonnons-nous à Dieu sans résistance. C'est un travail béni que la sanctification. Wagner maintenant. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Lorsque Christ nous couvre de la robe de sa propre justice, ça c'est des mots bibliques, mais ça a un sens. Il ne fournit pas un manteau pour le péché. Hey, c'est clair, hein? Il ne nous abrite pas de sa robe pour que tu puisses continuer à pécher. Mais enlève le péché. Ah, sa robe enlève le péché. Formidable. On a souvent cette photo-là. Hein? J'ai cherché sur Internet une photo d'un homme qui n'a pas une robe sale, ça n'existe pas. Mais mettez dans votre tête comme il est tout nu. Là. On ne peut pas le voir tout nu. Parce que, en tout cas, c'est vraiment, il ne doit pas garder cette robe. Il doit se prendre un choix, prendre la robe de Jésus ou garder cette robe. Mais tu ne peux pas couvrir cette robe en voulant dire, je ne peux pas continuer à vivre une vie de péché, mais Dieu, Jésus me couvre, pas grave. Hey, erreur, Watson, hein? Dans Josué, là, parce qu'il ses vêtements sales, ben, il a fallu qu'il se déshabille. Il n'a pas gardé ses vêtements sales pour pouvoir mettre la robe de blanche par-dessus. Là. Ça n'a aucun bon sens. Un simple bon sens, me semble, le dit. On va travailler, on a tout sale, puis tout ça, là, puis tu as une belle robe, un bel vêtement, tu vas le mettre par-dessus, puis là, je suis correct. Hey, ça ne va pas. Quelque chose ne va pas. Normalement, on va aller se baigner, puis ses vêtements, on va les faire laver, puis on va mettre un vêtement neuf par-dessus. Enlevez-lui les vêtements souillés, ça disait. Enlevez-lui, ben oui. Mais non, ce n'est même pas lui qui les a enlevés. Enlevez-lui, ça veut dire qu'il accepte que Dieu enlève cette vie de péché de nous. On n'est pas capable, de toute façon. En bout, elle a essayé de faire, puis de battre contre le péché. Ah, je vais l'avoir à celui-là, puis je vais l'avoir à lui, puis je vais l'avoir à l'autre. Non, non, ça ne marche pas. Alors, on va tomber, mais il faut le recommencer. Puis là, vous connaissez ça, hein? Ce style-là, on demande pardon, puis on recommence. Tu sais, c'est comme un chapelet. On n'arrête pas. C'est comme une battante, comme les Tibétains, tu sais, la roue qui tourne tout le temps, là, puis ça ne finit pas. Finalement, c'est un cercle vicieux. On tombe dans un cercle, on n'arrive pas à voir la fin du péché. Non, Jésus veut vraiment qu'on en ait
fini le péché dans notre vie. Et c'est possible. On continue plus loin. Nous devenons en effet une autre personne. C'est vrai. On n'est plus le même gars qu'avant ou la même femme avant. Là. C'est vraiment une nouvelle personne. C'est sûr qu'on le voit par la manière qu'on... les tribulations qu'on reçoit. Hein, c'est plus le même gars ou c'est plus la même fille. Moi, mais je veux retrouver la même gars ou la même fille qu'il y avait avant. Là. Ça ne marche pas. Là. T'es tout bouleversé, toi, avec tes nouvelles idées dans la tête. Là. On t'a lavé le cerveau. Là. Non, mais c'est vrai. On est vraiment une nouvelle personne. Hein. Wagner, Review and Herald, septembre 30, 1902. Qu'est-ce qu'il dit encore? Le péché est à jamais disparu d'eux. Hey, formidable! Ça, c'est tout de suite, là. C'est pas dans le futur, un jour, ça va le faire. Non, non, tout de suite. Cela est étranger à ce nouveau caractère. C'est le péché. Et même s'ils peuvent se rappeler encore le fait qu'ils ont commis certains péchés, ils ont oublié le péché lui-même. Ça n'a même plus d'importance. On l'oublie, ça. Ils ne pensent même plus à le faire. Ça, c'est un miracle de Dieu, ça. C'est pas le nôtre. C'est l'œuvre du Christ dans le vrai sanctuaire. Voilà ce qu'il veut faire, Jésus. C'est ce qu'il fait en ce moment. Puis il veut accomplir en chacun d'entre nous, c'est en avoir fait fini avec le péché en nous. Et même, il va nous enlever de notre cerveau, il va nous faire oublier les péchés qu'on a commis. On ne se rappellera même plus. Ah, j'ai déjà fait ça, moi. Ben oui. Hey, c'est fort, hein? Dieu peut même nous enlever ces mauvais souvenirs que nous avons faits de notre vie. Wagner, encore. 365 à 367 dans Everlasting Covenant. Ça, c'est en français, c'est l'Alliance éternelle. Ça, c'est un livre à lire. Hein? Un master. Que Dieu ait un sanctuaire dans les cieux et que Christ soit prêtre là-bas ne peut être mis en doute par quiconque lit les Écritures. Ça, c'est évident. Il s'ensuit que la purification du sanctuaire, une œuvre présentée dans les Écritures comme précédant immédiatement la venue du Seigneur, coïncide avec quoi? La purification complète du peuple de Dieu sur cette terre. Et le prépare à la translation quand le Seigneur va revenir. Continue. Qu'est-ce qu'il dit? La vie de Jésus doit être parfaitement reproduite chez ses disciples. Non pas pour un jour, une semaine, un mois, un an, mais pour tous les temps et pour toute l'éternité. Over forever. Review and Herald, c'est Ellen White. Qu'est-ce qu'il dit? Janvier 21, 1890. Nous sommes au jour des expiations. How? Maintenant. Now, c'est pas how. En espagnol, c'est hoy. C'est pour ça que je me suis mélangé. Hein. Nous sommes au jour des expiations et nous devons travailler en harmonie avec l'œuvre de Christ, qui consiste quoi? À nettoyer le sanctuaire des péchés du peuple. Ne laissez, c'est Ellen White qui dit ça, là. Ne laissez aucun homme qui désire être trouvé avec le vêtement de noces. Résistez à notre Seigneur dans son œuvre, tel qu'il est, ses disciples seront dans ce monde. Nous devons maintenant présenter au peuple l'œuvre que par la foi, nous voyons notre souverain sacrificateur accomplir dans le sanctuaire céleste. Alors, ne laissez aucun homme qui désire être trouvé avec le vêtement de noces résister. Ne laissez pas quelqu'un faire ça. C'est l'amour de Dieu qui pousse les Ellen White à dire ça. Hey, c'est sérieux, là. Pour elle, c'est triste. Review and Herald, janvier 28, elle continue. Notre œuvre est d'être en harmonie avec l'œuvre de Christ. Par la foi, nous devons travailler avec lui. Être en union avec lui. Un peuple doit être préparé pour le grand jour de Dieu. Alors, je prie Dieu
qu'il nous aide à réaliser que l'œuvre de Christ est importante pour préparer un peuple pour sa seconde venue. Et je remercie le Seigneur de nous donner ce privilège de pouvoir participer à cette grande œuvre. Amen. Amen.